Il fallait jouer avec la météo ce week-end pour pouvoir jeter un œil aux bonnes affaires proposées par les commerçants du centre-ville de La Roche-sur-Yon. Des prix promo, on va dire, qu'on peut retrouver habituellement, mais là c'est encore un peu mieux, hein, puisque effectivement il y a possibilité d'acheter en lot, et là ça devient encore plus intéressant. Des petits prix qui, à la fin, nous font souvent craquer. J'avais pas vraiment d'idée d'achat. Donc là, je suis venu et je suis reparti gagnant. Avec l'augmentation des prix, bah, avoir une baisse comme ça, d'un coup, ça fait plaisir. Et on peut se faire plaisir aussi. Et pour les commerçants, toutes les astuces sont bonnes pour ne pas souffrir du mauvais temps. Là, bah, le temps, un temps automnal. Ce qui nous aide, oui, c'est les bâches, en fait, d'avoir une sorte de préau. C'est ça qui nous aide. Mais alors, cette braderie a-t-elle eu du succès ? Si on est vraiment honnête, la braderie remet un petit peu de baume au cœur parce que la saison d'été n'a pas été des plus extraordinaires. Quand on entend un petit peu tout le monde, le bilan général est quand même pas très positif. Après, la météo nous a pas trop aidés. Enfin, voilà, donc justement, là, c'est agréable de revoir tout le monde, de revoir les gens. Donc voilà, c'est positif, vraiment. Prochain rendez-vous avec les bonnes affaires le 8 janvier 2025 avec le début des soldes d'hiver.